Salut à toi, étranger! Donc, on se retrouve pour le nouvel épisode, c'est-à-dire l'épisode numéro 23. Voilà. Donc, on est à mon repère, je crois. Ouais, c'est mon repère. On voit ma maison tout là-haut. Donc, c'est la suite de l'épisode 22, normal quoi, hein, j'ai envie de te dire. Logique. Ah, ça fait plaisir de voir son repère fini à 100% et son bateau fini à 100%. Enfin bref, on va directement rejoindre la prochaine mission. Ça fait très longtemps, je ne l'ai pas encore faite non plus. Donc pour vous donner une date, grossièrement, parce que tous mes épisodes je les fais à la suite. Alors des fois, voilà, je suis paumé, enfin bref. Grossièrement, on est le 14 octobre 2014. Donc voilà, et ça fait deux jours que... Que Assassin's Creed Unity est sorti. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi le petit truc là-bas? Ça. What that? Ah bref. Ça fait deux jours, ouais, c'était hier. Il est sorti hier. Donc je l'ai acheté, bien évidemment. Logiquement. Le problème c'est que je ne peux pas encore y jouer vu que je n'ai pas encore internet. Pour ceux qui m'ont suivi, parce que à mon avis je parle au passé, parce que en même temps que cet épisode-là si sorte, etc. Ça fera déjà pas mal de temps. Je l'ai dit, j'avais pas mal de problèmes avec internet, etc. Donc j'ai rien pu faire, rien pu mettre sur internet, etc. Bref, donc je ne peux pas encore jouer à Assassin's Creed. Vu que je n'ai pas encore une connexion internet et donc je ne peux pas brancher la console à internet. Merci la Xbox, j'ai envie de vous dire. Après il y a des jeux qui n'ont pas besoin de mise à jour, comme FIFA par exemple ou celui-ci. Et d'autres qui en ont besoin, comme Assassin's Creed Unity et puis Watch Dogs. Donc en attendant la connexion internet, je ne peux ni jouer à Assassin's Creed Unity ni à Watch Dogs. Bref. Cessons de raconter ma vie et dirigeons-nous vers la prochaine mission qui va peut-être m'amener vers la dernière ville qui me reste, vu qu'il me reste plus qu'une ville à faire à 100% pour avoir quasiment tout fait à 100%. Et je ne sais pas laquelle c'est, je sais juste où elle se situe et que j'ai pas pu y accéder pour aller rechercher je ne sais plus quoi. Elle se situe dans ces eaux là, tiens, c'est le cas de le dire. Elle se situe là. Voilà. Si mes souvenirs sont bons. Donc là, on va rejoindre le Royal Fortune. Que je pourrais attaquer. Ça serait marrant. Mais non. Pour la prochaine mission. Wait for day. Pardon. Un léger. Voilà. Allez, on lance la mission sans plus tarder. Et on se retrouve. Tu sens ça, Adé? La plus belle des récompenses sera bientôt à nous. Je ne sens que le vent qui bat mes oreilles, capitaine. Souris, mon ami. Quand nous tiendrons ce trésor, nous serons riches, tu verras, je te le promets. Pour toute notre vie. Si tu le dis. Ahoy, Roberts! On jette l'ancre et on se retrouve à terre. Tu as été suivi, capitaine Kenway. Je serais curieux de savoir depuis quand. C'est Hornigold. La peste soit de ce traître. Occupe-toi de ton vieil ami sans tarder, capitaine, avant que je ne regrette de t'avoir fait confiance. Donc on a un petit Hornigold, restez hors du combat pendant que vous cherchez Hornigold. Capitaine, prends le temps de bien réfléchir à ce que tu vas faire. Arrête un peu de te plaindre, Adé. C'est Ben Hornigold, il cherche à nous tuer. Aïe. Et ce traître doit mourir. Mais après, tu es sûr que tu mérites cet observatoire plus que lui ou ses Templiers? Non, je n'en suis pas sûr et je m'en moque bien. Mais si tu as une meilleure idée, vas-y, je t'écoute. Oublie ce Roberts. Avertis les assassins. Conduis-les jusqu'ici et laisse-les protéger cet endroit. Aïe, je vais les amener ici, s'ils sont prêts à me payer ce qui me revient. Ah. Donc je pense qu'on va avoir un choix à faire. Donc là, pour l'instant, on doit... Le combat va être difficile si Hornigold continue de à nous attirer diriger dans vers là-bas. On approche de l'échine du vers diable. Là-bas, je suis quelqu'un de très précis dans la vie. Qui ressemble au dos d'un monstre. Aïe,
Et putain de merde, que ça va être chaud, je le sens. Donc il faut pas qu'on rentre dans un combat avant de trouver Randy Gold. Je vais regarder un peu la carte où il se situe. Oh, what? C'est une blague. C'est une blague. Non mais les mecs là, c'est une blague. Donc je suis dans une zone où faut pas me faire retrouver. Et la map est immense. Donc je suppose qu'il est au milieu du rond vert, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude en fait. Des fois ils sont bien planqués, ces enfants. Hop, 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 hop. Réduisez la toile. Pardon pour tous les gros mots. Fermez toute la toile. Oh là là. Fini tour. Hop, ok. Donnez-moi de la toile. Oh, je suis bébé. Grimpez dans ces haubans. Fermez toute la toile. Fermez la main dessus. Voilà, je suis bébé. Voilà des ennuis. Régate. Larguez la grand voile. Allez, Dunaire. Y va. Allez, bande de fainéants. Tous au voile. Je pense qu'on les a sauvés. Oh la vache. What? Cette chatte ever? J'ai eu une chatte ever. J'espère qu'elle va me suivre jusque la suite. Parce que vraiment, ils étaient pas loin de me choper. Et puis ils ont dit, ouais, non, en fait, ça doit être qu'un requin. Bon, reste pas trop ici longtemps. Je crois que c'est bon, capitaine. Un navire ennemi droit. On va longer les murs. En fait, je suis vraiment pas prêt d'atteindre l'autre. C'est... Oh putain de merde. Fous le camp. Il nous prend pas en chasse. Avec ce gréement, ils portent les couleurs anglaises. Ils sont tout seuls, capitaine. Ah, ce que j'aimais aussi, c'est que dans la cinématique, ils étaient juste à côté de nous. En mode, on vous attend les enfoirés. Hello. Non, en fait, on va aller se cacher. Faire un cache-cache avec des bateaux, c'est un peu badass quand même. So. Ouais, il doit être par là. On va se diriger vers là-bas. Pourquoi c'est là-bas? Voilà, restez hors du combat pendant que vous cherchez Randy Gold. Impeccable. J'ai envie de te dire impeccable. C'est quoi ce petit bateau de merde qu'il a? T'as vraiment cru que t'allais faire quoi avec C'est comme ça qu'on fait pour foncer. Je vais te couler ma gueule. Voilà, on en parle plus. Two shot. C'est ce que j'appelle une leçon. T'en fais pas. Donc mon but ça va être de tuer Randy Gold, de l'exterminer, cette pourriture. Je vais regarder ce que j'ai à faire, effectuer un assassinat aérien contre Randy Gold, ça marche. Donc ok, il est là-haut. Il est posé là-haut. Salut, my friend. Ah, c'est direction, mon pote. Oh putain. Allez, vas-y, avance. Lunaire. Donc, faut que je monte en haut de là-haut. En haut de là-haut. Ah, la précision est moi. Belle histoire d'amour. Ok, j'y suis déjà allé. D'accord, il est tout là-haut. Donc, faut que j'arrive à monter. Ok, d'accord. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut monter sur cette putain d'île. Je crois que je suis parti pour faire le grand tour par un vol. Quoique. Allez, on va monter par ici. Non, c'est trop difficile. Hein. Même Connor, il aurait réussi.
enfin Connor un peu connard, même Connor a réussi à monter. Il était vraiment bien le 3 aussi. Franchement, j'ai jamais été déçu par aucun des Assassin's Creed. Voilà, c'est bon. Par ici peut-être. Eh non. Oh, je pense que je suis obligé. Voilà, c'est ce que je pensais, je suis obligé de passer par cette Starbucks. Comme si Hornigold, dans une idée d'acrobate, il s'est amusé à monter là-haut. Sur l'arbre, pour se dire, bon allez, je vais sur l'arbre. On va s'occuper de l'autre en haut, c'est vraiment celui qui m'inquiète le plus. T'as été un peu con de descendre quand même. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah non, c'est même pas lui. Tant qu'il est là-haut, on va regarder un peu. Là, il y en a deux là. Je pense que ouais, en gros, faut que je le passe. Hop. Merde, c'est pas lui que je cherchais. Ferme ta gueule. Je vais me prendre une balle, tranquille. Et pitié, sois précis dans tes mouvements. Je vais me prendre une balle. Je connais ce chien et je sais de quoi il est capable. Voilà. Qui avait l'étoffe pour devenir un homme de conviction? Mais ton âme est désormais celle d'un tueur. Sans ton maudit courage, il te reste bien peu de choses. Le diable t'emporte, Ben. Tu as l'âme d'un traître qui se croit supérieur à ses frères. Et je l'ai prouvé, 100 fois. Depuis la chute de Nassau, qu'as-tu fait, toi, si ce n'est semer la mort dans ton sillage? Tu t'es allié à la vermine qu'on était censé haïr! Non! Ces Templiers sont différents. J'aimerais que tu puisses le voir. Mais si tu poursuis aveuglément sur ce chemin, tu découvriras que tu es le dernier à le suivre. Et qu'il conduit à la potence. Non. Oh. Peut-être bien. Mais le monde compte désormais un serpent de moins. Et c'est tout ce qui m'importe. Hein, 90 100%. Yeah. On va donner une petite note hein, parce que moi je m'y connais très bien, parce que franchement ce jeu, mais plus j'avance plus il me plaît quoi. C'est vrai que quand j'ai commencé tout début avec comment il s'appelait avec le 1, que tout était répétitif et tout, et pourtant que j'ai aimé ce jeu. Ça remonte déjà un paquet d'années. Wow. Je suis vieux en fait. Bon, on va aller sauver les camarades. Yo my friend. Suivant. Ouais, c'est pas ce que je veux.
Moi ? Pas marin ? Oh, vous êtes fous ou quoi ? Voilà. Tuer 4 ennemis d'affilée avec les pistolets d'or. D'affilée, ok. Tu m'as sorti d'un sale pétrin, capitaine. Jack te remercie. Allez, on return à mon bateau, qui est pas du tout dans cette direction. Pas du tout dans celle-ci non plus, d'ailleurs. Ah si, en plus, je suis con. Je me rappelle, je crois que c'est dans le 2, j'adorais courir avec les mains comme ça. Quand on gueule, ouais. On va continuer tout de suite hein, parce que franchement 16 minutes c'est correct. Je pense que je peux me permettre de faire une deuxième mission quoi. Ah non. Bon. J'adore mes petits canons en dehors. I like it. Bon, on va aller regarder directement où se situent les gens. Oh ben voilà. Voilà, on va découvrir la map. On va découvrir la map. Ça doit être ici où il y a l'observatoire. Je suppose. Je suppose. Ouais, dernièrement, je me suis amusé à faire toutes les petites babioles à ramasser. Oh là 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 là, le bordel. J'en ai eu pour une après-midi. Voilà, une après-midi pour tout ramasser. Let's go. Bon, on va se retrouver après la cinématique. A tout de suite. Là, tu mets une musique d'ascenseur. Le chasseur de pirates est mort. Ouais, de ma main. Comment se fait-il que toi seul puisses trouver ce que tant d'hommes cherchent ? Je suis né avec des souvenirs de cet endroit. Des souvenirs issus d'une toute autre époque, je crois. Comme si... j'avais déjà vécu une autre vie. J'en crois pas un mot. Tu vas parler clairement. Pas aujourd'hui. Après toi, capitaine. Le chemin qui nous attend est dangereux. Donc, les amis, on se retrouve. Je vais relancer. Ouais, non, je pense que vous l'aurez. Je vais le laisser dans l'autre vidéo. Donc, j'ai été obligé de couper parce qu'en fait, je ne comprenais pas l'objectif. Alors, j'ai voulu aller regarder sur internet. Le problème, c'est que l'ordinateur avait des mises à jour à faire. Du coup, j'ai pas pu regarder. Donc, j'ai fait des tests en attendant et j'ai trouvé comment faire pour les avoir. Donc, il suffit tout simplement de les repérer. Comme ça. D'arriver, balancer ça et leur foutre un coup comme ça. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Et non, ça fonctionne pas. Moi, je l'ai chopé. Je vais garder ça. Donc voilà, là il y a lui qui est là-bas. Bon, ok, hop. Donc, est-ce que ça va compter? Voilà, ça compte là. Donc voilà, bon, en fait, faut galérer. Tac, tac. Faut s'éloigner, revenir, et voilà.
Il y a peut-être d'autres solutions. Je les ai pas trouvées, donc j'ai fait ça. Ça fonctionne, tout est beau, tout est rose. Donc voilà, on va faire comme ça, et puis voilà. Ok, il y en a un qui est là-bas. Hop, il est par ici. Ça en fait 3. Il y en a un qui est là-bas planqué. Hop, ça en fait 4. Impeccable, on va bronzer pour s'occuper de l'hôte. Oui, parce que du coup, je suis allé jusqu'ici tout à l'heure pour rien. Ça sera coupé de façon à la vidéo, je pense. Ça sert un peu à rien que je laisse une partie pareille. Donc le dernier, je ne sais pas où il est. En fait, je dis je sais où il est, en fait, je sais pas. Le mec, il sait pas ce qu'il dit, tu vois. Voilà. Aïe! Oh putain, il y a crocodile par ici. Merde. Hop. Tac, on se cache. On arrive. Et voilà, ça en fait 5 sur 5. Déjà, tout ça, c'est fait. Les autres, j'ai juste à les faire à la main. Ce qui est relativement correct, vu que c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Donc là, il y en a un qui est là-haut. Hop. Ensuite, il y en a un qui est là-bas. Et un... Ah non, ça c'est crocodile. J'ai eu peur qu'il sorte ses dagues, entre guillemets. Là, il y a un putain de croco. Hop, on va essayer d'éviter de se faire croquer. Oh, le dernier est planqué là-bas. C'est en mode je crois qu'il ne m'a pas vu. Voilà. Ah, il en reste un encore. Donc il y en a un quatrième qui se planque. Where I don't know. Ah, il est là-bas. Hop, 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 hop. Tac. In your face, motherfuckers. Allez, en route. Tac, il y a une grotte apparemment. Vieille. Ouais, je pense qu'on va croiser, on va pas tarder à croiser des jaguars, je suppose. Tu vois les mecs, ils... Ah non, ça on est d'autres. Tu vois les mecs, tranquille. Je vais faire le point d'observation, ça me débloquera un peu la map. Ça m'évitera de le faire tout à l'heure quand je ferai la map à 100%. Oui, car il me reste plus que celle-ci à faire à 100%, je sais que je l'ai déjà dit, mais ça me fait plaisir de le dire, donc voilà. Voilà, voilà. Hop, encore un pendu, tu vois. Encore un autre pendu. Lui, il a la chance, s'il est pendu à un endroit où il a une belle vue, quoi. Bref. Hop. Et voilà. Bon, ok, je pensais que j'allais pouvoir me raccrocher, mais non, ils ont dit non, on va te faire foutre. Ok. Donc on va aller dans les grottes. Est-ce que j'ai encore des... Oui, d'accord, faut absolument que je les fasse aussi. Alors, ça... Ouais, tu vas voir qu'ici, je pouvais me les faire. Hein. Voilà. Merde. Hop.
Wow. Ils ont eux aussi, ils ont de la chance, ils ont des mecs. Hop, en mode plaquage. Si on a de la chance, il y en a deux. Vas-y, tape. Ah, vas-y. N'aie pas peur. Vas-y, vas-y. Voilà. Hop. Moi, je suis un gentil. Moi, je laisse tous vivre. Vivez, my friend. Je me débrouille pas trop mal quand même. Moi, c'est des phases où faut pas être trop discret, même si j'aime bien les phases où faut être discret. Je me débrouille pas trop mal. Hop, il en reste plus que deux. Si ma carte est entière. Tac. Et un dernier pour la route. Je peux pas l'avoir par ici. Hop, 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 hop. J'arrive en mode bonne doule. Ouf. Bon, je suis là, hop, c'est réglé. On va aller au road direct, hein. Bon, là on a 8 minutes de vidéo grossièrement, sachant que l'autre partie en fait une vingtaine grossièrement. Où il est le truc à choper là-bas? Hop. Voilà. Ça c'est réglé. Oh, il y a encore des gardiens dans le coin. Oh, salut toi. Bon, ok. Eh bien. Coup de boule. Hop. Dans les bou. Dans les bournes. Voilà. Bon, voilà, il y en a un là. Tout est grillé. Voilà. Vous voyez un petit coffre, alors on va se laisser tenter. Tac. Où sont les langues? Il y a l'air d'avoir plus personne par ici. Oh, ça, ça sent, il y a un mec dedans, ça. Même pas. Oh. Oh la vache. Ça fait comme ça me rappelle je sais plus dans lequel là. Ah non, t'es sérieux? C'est ça qu'ils appellent l'observatoire, c'est là où on était dans l'ancien. Je sais plus si c'est dans Révélation. Ouais, je crois que c'est dans Révélation ou dans le 3. Hop. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Qui a osé me tirer dessus? C'est toi là-haut? Bon bah attends, on va y aller. Je vais voir si je peux monter. Il croit qu'il est caché.
cacher. Oui, je vois, ça doit être dans ce coin-là qu'on était posé avec le père de Desmond et tout, toute la clique et la claque. Hop. On va s'occuper de l'autre. What? C'est un gars, c'était sûr? Ah non. C'est un singe. Alors, il y a un mec qui reste là dans le coin, posé, tranquille. Peut-être là? Non. Bon, je vais faire ça. En fait, je suis désolé, les amis, en fait. Mais! Y a-t-il un mec qui s'amuse à me tirer dans les pattes depuis tout à l'heure? Oh, ben voilà où il est. Hop. Voilà. Je vais aller me le faire, hein. Allez hop. Donc toi, t'as Peter qui me fait chier. Voilà, impeccable. C'est ça l'observatoire. Hop, on va creuser, on va prendre le la dernière stèle qui me reste. Enfin, je crois que c'est la dernière. Voilà, je pense que c'était la dernière. Oui, c'était la dernière. Ouais, donc je suis là. Ouais, tu fais quoi? La porte s'ouvrira pour la première fois depuis 80. Par l'enfer, Robert! Tu es devenu fou! Bien au contraire, Edward. Ces abrutis auraient perdu la tête en voyant ce qu'il y a derrière cette porte. Mais toi, je te soupçonne d'être bien plus coriace qu'eux. Maintenant, ramasse ce coffre et apporte-le ici. Ça sent la couille quand même. Je veux pas dire ça sent la couille. Ramasse le coffre. Sale et décrépit. Mes souvenirs sont bien différents. Mais après 80 millénaires... Tu mens. C'est impossible. Fais bien attention à toi, capitaine. Je dois dire que cette nouvelle vocation m'inspire. Et cela t'amusera peut-être d'apprendre que j'ai édicté mon propre code de conduite. Ton propre credo, hein? Pour maintenir la paix à mon bord, les jeux d'argent sont proscrits, car ils génèrent plus de conflits que de camaraderie. La désertion durant le combat est interdite. Et j'exige que tous les canons et tous les sabres soient propres et prêts à l'usage à tout instant. Je te comprends. Pour cela, toute infraction est punie de mort. Quel endroit incroyable. Splendide, n'est-ce pas? Aïe. Tout droit sorti d'un conte de fées, ou d'un poème antique. De nombreux récits parlent de cet endroit. Des histoires devenues rumeurs, puis légendes. Le chemin inéluctable conduisant toute réalité vers la fiction, avant de sombrer dans l'oubli. D'autres fioles de sang. Oui. Ces cubes contiennent le sang d'un peuple très ancien. Une race qui, à son époque, a touché les sommets. Plus je t'écoute, mon ami, et moins je te comprends. Je n'en suis pas surpris. Mais rappelle-toi ceci. Le sang que contient ces fioles n'a plus la moindre valeur pour quiconque. Un jour, peut-être, il en sera autrement. Mais pas à notre époque. Nous y sommes. Dépose le coffre. C'est quoi ce bruit? Ah oui, une mesure de sécurité. Attends un instant.
Nous y voilà. Mais à quoi sert cet endroit ? C'est une sorte de grande longue-vue, comme on utilise les marins. Un appareil qui permet de voir malgré la distance. Mon Dieu, c'est de la magie noire ? Non, c'est Monsieur Jack Rackham, quelque part dans ce monde à cet instant précis. C'est un assaut. Ça se passe en ce moment même. On voit la même chose que lui. Oui. J'en sais rien, Jim. Je connais absolument rien à la navigation. C'est pas un travail pour une femme. Faux. J'ai vu des dizaines de femmes ferler des toiles et tourner des cabestans. Et tu m'apprendras à me battre ? Avec un grand sabre ? Et même à tirer au pistolet ? Je m'arrêterai pas là. Mais il faut que tu le veuilles et que tu t'appliques. Tu dois pas songer à l'échec si tu veux réussir. Hé ! Mon gars ! C'est à ma femme que tu fais la cour ! Allez, Pat ! Ou je te découpe ! Va cuver ailleurs, Rackham. Et réfléchis deux fois avant de m'appeler mon gars. Oh ! Oh ! C'est vrai, ça ! Mon gars ! Quel drôle de gens. Voyons-en un autre. Le gouverneur Woods Rogers. C'est extra. Extra, extra. Je parle pas trop, les amis, parce que c'est assez... C'est un peu comme une cinématique, en gros. Grossièrement. C'est une idée audacieuse, mais je vais devoir y réfléchir attentivement. Il vous suffit d'inviter la Chambre des communes à un témoignage de loyauté. Un serment, un geste, et un petit rituel afin de prélever quelques gouttes de sang au bout du doigt. Rien de plus. Les ministres vont sans doute s'y opposer, mais persuader la Chambre des Lords ne devrait pas poser de problème. Ils ont un goût prononcé pour l'apparat et les cérémonies. Tirez-en parti. Dites-leur que c'est un signe de soutien au roi, face à tous ces rebelles jacobites. Oui, très judicieux. Ah, ces Templiers. L'élément crucial est le sang. Vous devez en prélever un peu à chacun. Nous devrons être prêts lorsque nous trouverons l'observatoire. Entendu. Un outil précieux, n'est-ce pas ? De la sorcellerie, voilà ce que c'est. Oh non ! Les mécanismes qui animent cet appareil sont tout ce qu'il y a de plus concret. Antique, certes, mais pas plus surnaturel qu'étrange. On deviendra les maîtres des océans. Oh, quelle ambition. Mon code ne prévoit rien en matière de loyauté, Kenway. Tu as joué ton rôle, mais notre alliance prend fin. T'es un homme mort, Robert. Donc c'était évident que ça allait se passer, hein, j'ai envie de te dire. Du coup, on va les tuer, Robert. Peut-être pas cette mission-ci, mais prochaine, je suppose. Go ! Y'a plus rien à prendre ici, que dalle. Tout va s'écrouler, je suppose. Non, je suis enfermé. Par où je pourrais me barrer ? Par où ? Par là, je pense. T'avais montré quelque chose. Explique-toi, vas-y. Ah merde, ok. Voilà. Ça me fait un peu penser quand même à Prince of Persia, hein. Tout ça. Hop. Et voilà, on est sorti.
survivez. Ah d'accord, je me suis fait un truc dans la gueule. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai absolument rien d'autre, ok. Allez, hop, on y va. What? Je perds de la vie? La multitude l'emporte toujours. Oui, tu pourrais venir avec moi, mais avec un esprit aussi ardent que le tien, tu risquerais tous de nous réduire en cendres. En revanche, je sais que le roi a mis ta tête à prix de façon fort généreuse. Et vois-tu, cette fortune me tend les bras. As-tu déjà fréquenté les prisons jamaïcaines? Dis-moi. Quatre-vingt-dix, cent pour cent. Ok. J'ai bien aimé aussi cette... Hop, très bien. Donc, ben, je pense que je vais stopper là. Parce que ça m'étonnerait que je vais me déplacer entre la mission, etc. Donc les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, et on se retrouve pour l'épisode numéro 24. Bye, peace, go. Je sais pas pourquoi j'ai dit go.